Je me demande comment je peux améliorer les compétences de mon personnage dans Outriders. Essayons de voir ça ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne ActuGeek Gaming. On se retrouve une nouvelle fois sur Outriders pour vous montrer un tuto afin de renforcer les compétences de votre personnage. Donc pour ce faire, vous avez plusieurs possibilités et tout va se jouer dans votre menu. Donc pour cela, il suffit juste d'appuyer donc sur votre inventaire et donc vous allez vous rendre dans l'espace compétences. Donc là, j'ai tout débloqué pour mon pyromage. Donc au début, vous allez obtenir cette première capacité, puis les suivantes. Plus vous allez monter niveau, plus vous allez obtenir donc des capacités. Et vous pouvez vous spécialiser dans un set en fait que vous allez sélectionner pour ensuite vraiment devenir de plus en plus fort. Donc gardez à l'esprit que dans Outrider, vous avez au total 8 compétences Paraît que les pour chaque molosses sont personnage, déchirés. mais que vous ne pouvez en utiliser que 3 en même temps. Donc pour assigner les compétences, c'est très simple. Il suffit juste de sélectionner une compétence dans votre sélection des compétences et vous appuyez sur donc attribuer compétences et ça va donc affecter la touche de l'emplacement disponible. Donc les trois touches à utiliser sont L1, L1 plus R1 et R1. Et donc en utilisant ces touches, vous allez pouvoir déclencher les compétences. Donc on va commencer avec une capacité assez simple, c'est surchauffe, que vous obtenez d'ailleurs assez rapidement en jeu. Donc surchauffe, c'est une compétence explosive et d'interruption. Donc qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est que vos ennemis vont être capables d'exploser et d'être interrompus. C'est très utile dans le jeu. Puisque quand un ennemi va utiliser une compétence, vous pouvez l'interrompre en utilisant donc une capacité interruption. Comme vous pouvez le voir, on a des capacités qui ne sont pas du tout interruption, de type interruption. Donc cette capacité-là ne permettra pas d'interrompre un ennemi. Donc gardez-en au moins une ou deux Paraît que dans les votre molosses se sont set fait pour déchirer. être tranquille et Je vais bloquer voir si donc je peux récupérer les vos affaires ennemis. avant qu'un autre les prenne. Et donc Allez, cette saute! capacité vous permettra d'infliger 332 de dégâts à tous les ennemis situés dans un large rayon et d'interrompre leurs compétences. Les ennemis touchés par l'altération d'état brûlure subiront 4262 dégâts à la place. L'altération d'état brûlure sera consumée. Donc voilà ce qu'elle va le faire cette capacité. Donc en gros je fais 332 de dégâts à tout le monde et j'interromps toutes les capacités des ennemis qui sont en train de les lancer. Et si auparavant ils ont été touchés par l'altération d'état brûlure, ils vont subir 4262 de dégâts à la place des 332 dégâts. Et en plus, ils vont être interrompus. Par contre, ils ne seront plus brûlés, puisque l'altération brûlure sera consumée. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc cette compétence, de base, elle ne fait que ça. Mais, grâce à votre équipement, vous allez pouvoir l'optimiser. Donc par exemple, si je pars sur cet équipement-là, vous voyez que j'ai rajouté flambée, surchauffe. Augmente de 1661 les dégâts infligés aux ennemis blessés par la compétence, mais dont l'altération d'état n'a pas été consumée. Ce qui veut dire que plutôt que de faire uniquement 332 de Ils ont dégâts, eu McCain aussi. je vais pouvoir Que la moitié faire, de ces... grâce à cette capacité flambée, 1661 dégâts en plus à tous les ennemis blessés par la compétence. Et en plus, le rayon de cette compétence est absolument immense. Donc voilà, vous pouvez améliorer vos compétences comme ceci. Le mieux, c'est d'aller voir le docteur Zaidi pour améliorer vos compétences, et ce monsieur se trouve juste ici. Donc là, j'ai débloqué toutes les compétences que vous pouvez obtenir en fait en jeu. Donc là, vous avez juste à vous sélectionner sur un équipement et cliquer sur modification d'équipement. Je reviendrai dans une vidéo pour vous montrer plus ceci en détail. Et donc là, le niveau 1, on va s'intéresser qu'à celui-là pour cette vidéo. Ça va être toutes les modifications d'équipement qui vont permettre de renforcer les compétences de mon personnage. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez les icônes qui vont se ressembler. Donc là, c'est une seule et même compétence. Et vous avez donc les modifications qui sont ici. Il y en a 4 pour celle-ci. Pour celle-ci, le phaser, vous en avez 5. Pour le feu de l'enfer, on en a bien plus. Pour notre surchauffe qu'on a vu tout à l'heure, elles sont ici. Je les ai toutes débloquées. Et donc là, vous allez pouvoir savoir ce que vous allez pouvoir ajouter en plus en fait à votre compétence. Donc là, si je veux, moi je peux ajouter à ma compétence la compétence d'altération d'état cendre au lieu de brûlure.
Donc là, par exemple, si je fais mon R1 alors que les ennemis sont en sous-état de cendre, eh bien c'est ça qui sera consommé et pas brûlure. Et ça fera autant de dégâts. Je vais avoir aussi la possibilité de monter mon bonus d'armure de 7656 pendant 8 secondes lorsque j'aurai une altération d'état consumée par cette compétence. Donc, par exemple brûlure ou par exemple cendre. Donc, vous voyez, il y a beaucoup beaucoup de choses à découvrir qui vous permettent donc de monter vos compétences pour être de plus en plus puissant. Là, on a par exemple le Force du Phénix qui nous permet de recevoir 839 de pouvoir de l'anomalie en plus par altération d'état consumée par la compétence pendant 8 secondes et c'est cumulable jusqu'à 10 fois. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de choses à découvrir, donc je vous laisserai le soin de personnaliser les compétences. C'est juste qu'il faut savoir que vous pouvez le faire et ça se passe sur vos équipements. Donc ensuite, on va parler d'une autre compétence que j'aime beaucoup. Pour le pire hommage, c'est la compétence bombe thermique. Donc la compétence bombe thermique, en fait, c'est une compétence brûlure interruption et aussi explosive. Donc en gros, concrètement, le principe, c'est que quand j'utilise cette compétence, je vais brûler mon ennemi, je vais l'interrompre, mais je vais aussi lui faire 1232 de points de dégâts. Ça pourrait s'arrêter là, mais si jamais l'ennemi est tué pendant cette compétence, je vais avoir des dégâts supplémentaires. Donc ça fera 13 971 de dégâts dans un large rayon aux autres ennemi autour de lui. Vous voyez, il y en a deux, et quand il va exploser, pouf, le deuxième sera éliminé. Et là, il faut que j'attende 12,8 secondes pour utiliser cette compétence une nouvelle fois. C'est tout ce qu'elle va faire au début. Cependant, si je regarde au niveau de mes équipements, je l'ai déjà amélioré. Donc, par exemple, Big Bang, c'est une modification d'équipement qui me permet d'augmenter de 20% le rayon de l'explosion. Donc ça c'est utile quand un ennemi va mourir sous l'effet de cette compétence, le rayon de l'explosion va être augmenté. Donc ça va être vraiment pratique pour toucher plus d'ennemis et donc faire plus de dégâts. Et j'ai une autre modification d'équipement qui est très intéressante, c'est la compétence bombe incendiaire qui me permet d'être activée une fois de plus avant le début de recharge. Donc concrètement, au lieu de l'utiliser qu'une fois et d'attendre mon cooldown de 12,8 secondes, je peux utiliser deux fois de suite cette compétence grâce à cette modification d'équipement. Donc c'est super intéressant. Là, ma compétence bombe explosive, je peux utiliser deux fois. J'ai un petit 2 à côté. Je peux aussi utiliser deux fois mon L1, mes balles volcaniques, mais c'est pas symbolisé sur la compétence, mais je peux le faire. Donc voilà les petits bonus que vous pouvez appliquer à vos compétences et ils ne sont pas du tout négligeables. C'est ultra intéressant de pouvoir améliorer donc ces compétences grâce aux modifications d'équipement que vous pouvez mettre sur uniquement vos tenues. Voilà, uniquement vos pièces d'équipement. Là, par exemple, j'ai amélioré mes chargeurs, mes balles volcaniques en mettant un chargeur additionnel. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir en jeu. Là, je vais augmenter de 3364 les dégâts de l'explosion de bombe thermique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir et ce n'est pas fini. Puisqu'en plus des compétences que vous allez pouvoir sélectionner, donc vous choisirez votre propre combo. Moi, j'ai choisi celui-ci qui fonctionne plutôt pas mal pour moi. Vous avez aussi l'arbre de talent. Alors lui, il est très très complet, ça peut faire peur au début, mais c'est normal, vous en faites pas, vous allez vous y faire. En fait, tous les deux niveaux ou presque, vous allez gagner un point de classe que vous allez avoir ici, que vous allez pouvoir dépenser. Donc vous avez des capacités classiques comme celle-ci, Golem de Magma, qui va augmenter mes PV max de 10%. Donc après, vous pouvez choisir le chemin que vous voulez. Moi, je vous conseille de regarder à la fin qu'est-ce que cette compétence va augmenter surtout. Donc là, on est sur du combustion plutôt. Donc là, concrètement, les compétences affectées, on les voit, elles sont toutes les trois en bas. Si vos compétences figurent parmi cette liste, c'est-à-dire que vous êtes sur la bonne voie. Là, concrètement, j'ai que les balles qui figurent sur cette voie. C'est pour ça que moi, j'ai bifurqué sur une autre pour avoir les deux autres en fait. Vous voyez là, j'ai la bombe thermique et donc la surchauffe, donc le 1 et le 2. Le troisième, je l'ai pas, le rayon phaser, mais l'éruption, pardon. Mais du coup, à la fin, j'aurai un bonus qui n'est pas du tout négligeable. Donc ça, il faut bien regarder ce qui peut être intéressant pour vous. Il y a des pouvoirs qui sont vraiment intéressants et toutes les classes le possèdent. C'est la possibilité de ressusciter une nouvelle fois. Donc au début, vous avez juste une capacité qui vous permet de ressusciter à hauteur de 50% de vos PV max. Mais si vous augmentez encore cette compétence, vous revenez avec 100%. Donc ça, c'est des capacités très importantes. Au début, j'avais fait ce chemin. Voilà. J'avais tout débloqué ici. Donc j'avais augmenté de 30% les dégâts de base des compétences explosives et ça affectait deux de mes compétences. Mais pas mes balles.
Donc du coup, je voulais faire un peu des deux. Donc je suis passé par là, surtout pour récupérer les PV max, parce que ce sont très très importants en jeu, surtout si vous utilisez les niveaux de monde, si vous allez progresser de niveau de monde en niveau de monde. C'est très intéressant de passer par là. On peut aussi réduire le temps de recharge des compétences, donc c'est très utile. Finalement, plus vous allez monter en jeu et plus vous allez devenir puissant. À vous de prendre le chemin que vous voulez, mais en tout cas, pensez bien à ça. Donc à regarder les compétences de fin pour savoir si vous êtes sur la bonne voie finalement par rapport aux compétences que vous utilisez. Et si jamais vous vous trompez, vous pouvez réinitialiser l'arbre. Voilà. Il y a juste à faire X et hop, tout redevient à zéro. Et là, vous pouvez recommencer votre voie pour recommencer votre build, tout simplement. Et donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur les classes, les compétences de Outriders. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant des likes et des commentaires sur la vidéo et à partager l'astuce autour de vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ActuGeek Gaming, surtout si ce n'est pas déjà fait, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. D'ici là, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!